touche à rien, je mets tout garder activé là, c'est bon. Oui, tu laisses tel quel. Confirmer. Tac. Ouais, c'est bon. Chargement. C'est bon? Ouais, je peux mettre des. Je peux dire des saletés sur toi et tu n'entendras pas. C'est trop méchant. Tu pourras dire que je fais nimp et je. Bah, on le sait déjà de toute manière que je fais nimp. Alors, est-ce qu'il te dit bien que ça va se connecter et tout ça? Bah, c'est en train de charger, hein. Hop, je vais mettre pour tout le monde l'écran. L'écran concerné, ça charge. Mon jeu charge. Parce que moi, je te vois sur le serveur en train de charger quelque chose. Oui, c'est bon, je te vois en train de charger. Chargement de la carte, du 1 à 1. Dae a mis le jeu en pause, on est bon. Eh bien, on est bon. Attends, paramètres. Graphisme, c'est juste... la luminosité, on l'avait augmentée la dernière fois. Mmh. Je me souviens plus. Je me souviens plus si j'avais enlevé quelque chose, en fait. Utilisation de la mémoire vidéo élevée. On verra si ça bug un peu ou pas. Mais... Ouais. Alors, je reprends la conversation de la précédente fois. Hop, clic droit est acquis. Je sais quoi là, je vais reprendre tout simplement le jeu. Tu vas faire reprendre, mais tu ne pourras pas parce que je suis administrateur et toi non. Mais tu peux faire reprendre. Tu verras juste l'écran en grisé. D'accord. Ce qui est normal. Ouais. Je cherche juste un truc et je suis à toi. Et je parle fort, c'est ça? Non, ça va. Non, ouais, ça. Ah non. Pierre, on réglera dans mes oreilles. Hein. Non, je parlais à ma copine parce que j'ai tendance à parler fort quand j'ai beaucoup de choses dans les oreilles. Donc, ma chère Aitaki, est-ce que tu te souviens ce que nous avions fait sur la fois précédente? On avait bien avancé, on avait fait de l'exploration, on avait trouvé une trace de vie humaine, on avait tout chippé et j'étais morte. Et on a deux véhicules. C'était pas mort? Voilà. Si, j'étais morte. Ah. Si, parce qu'en enlevant une dalle, j'étais tombée dans l'eau. Hein, Oui, tu t'es noyée, mais je t'ai rattrapée au dernier moment, ça va. Non, mais je me suis vraiment noyée. Hein. Non, mais j'ai dû revenir toute seule. Donc, nous avons deux voitures. Nous sommes établis à l'ouest de notre base principale parce qu'on commence à manquer de fer. Donc, du coup, on va commencer à exploiter le fer que nous avons ici. D'ailleurs, hop. Là, je peux faire reprendre, là. C'est bon. Enfin, où voilà. Je suis? Ah, je suis là. Mon perso est là. Tout va bien. C'était... Pardon. Je me suis rappelé qu'on s'était amusé à écrire nos pseudos également sur le sol. Oui, bien sûr. Voilà. Je vais juste baisser légèrement ton micro parce que tu parles très fort dans mes oreilles. Ah, pardon. Non, mais c'est pas ta faute, c'est vu que j'ai changé un peu de PC, de setup. Du coup, il y a plein de trucs qui ont... Alors, t'as pas changé de PC, tu cliques ton PC. Oui, voilà. Pareil. Merci Maëvis d'intervenir. Courage Maëvis. Je sais pas si tu l'entends. Oui, j'ai entendu. Mais arrête de pêcher. Il va partir trop loin. Mais t'as 50 poissons sur toi, c'est plus que nécessaire. Alors, donc on a été resté à... on commence à faire fondre des trucs. Ah, le train. Eh oui. Voilà. Nous, on avait construit la première station avec les ressources qu'on avait. Ouais. Sachant qu'on avait trouvé, là. Voilà, sachant qu'on ne pourra pas en produire un deuxième parce qu'on n'a pas la technologie pour... Parce que pour produire ces fours-là, il faut de la technologie bleue. Donc, on ne va pas pouvoir. Pour le moment. Par contre, on peut fabriquer des lampes. Déjà, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des lampes sur toi? Attends. Je fuis, je cours. Non, je crois pas. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire... alors déjà, au niveau de tes barres d'action, est-ce que tu avais importé, exporté correctement les menus? Popopo, tu me parles... Bah, ta barre numéro 1, est-ce qu'elle a bien des tapis, des souterrains, des poteaux électriques, ah, des oui. lampes? Bon, bah, oui, c'est parfait. Oui, oui mais... oui. C'est juste très, très mal organisé, mais oui. Est-ce que tu veux que je te réexporte ma barre pour qu'on ait la même? Bah, comme tu veux, mais je me débrouille, en vrai. D'accord, ça marche. Alors, je vais prendre le blueprint des furnaces. Et donc là, on va en poser d'autres, mais à base de charbon. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Euh...
Et moi, je veux continuer le train, moi. Bah, continue le train. Mais pour ça, faut des rails. Pour cela, faut beaucoup de ressources, ouais. Ouais, je sais pas. Voilà, on a 4 lignes qui sont prêtes, donc on va pouvoir les poser. Avec des fours qui consommeront du charbon, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça, c'est ainsi. Alors. Donc tu as besoin de wagons de marchandises. Et ça, j'ai ça dans le coin. Quelque part dans mes poches. J'ai la recette là. Wagon de marchandises. Ah oui, et on galérait pour les ressources parce qu'on a besoin d'une moule. Et que la moule, on avait commencé à la construire. C'est ça. Ça y est, ça me revient. Ensuite. Déjà, on a du fer dans un des. Les gens, juste préparez-vous à me voir, pour ceux qui sont de mon côté du live, à me voir chercher. H24 mes choses dans mon inventaire. Alors normalement dans la conversation groupée, je vais te remettre le lien, tu as un lien multistream que j'ai déjà partagé de mon côté qui leur permet de quoi tu n'as pas non j'ai pas vu qui leur permet d'avoir nos deux points de vue en même temps et après ils ont juste à activer ou le son du côté qu'ils préfèrent. Ok. Par contre, ça me dit que le wagon il doit être sur des rails. Oui, c'est normal. Ça c'est la partie la plus chiante. Enfin non, c'est pas D'accord. La partie la plus chiante, c'est la partie que je. Alors, je vais placer les rails. Par contre, les wagons. J'en ai deux. Oui, mais je sais pas si tu te souviens, faut check un petit peu. Voilà, faut secouer un peu. Ah oui, effectivement. Voilà, là tu devrais pouvoir. Ah. Et normalement, ça va passer au vert. Je suis pas assez rapide. C'est pas sévère, mais ah mon dieu. C'est pas. Ouais, ça c'est la seule partie qui est un peu chiante quand on le place à la main. Ok. C'est bon. Bah, attendez, on va zoomer pour les yeux des bigleux comme moi. J'insulte personne, je dis juste que quand on est myope, c'est galère. On check jusqu'à ce qu'on obtienne le cocktail. On avait. Ah on a. Oh. Par contre, il me faut des engrenages et des plaques. Alors, plaques de fer, tu les as dans le wagon d'à côté. N'oublie pas, avec un contrôle-clic, tu peux prendre tout un stack. Tac. Moi, je prends ce qui sort. Très bien. Efficace. Tiens, je t'ai droppé quelques ressources. Pardon. L'inventaire. Ok, c'est parti. On a eu du verre assez rapidement, mais... Cool, concentration. Je vais le mettre sur moi là. Check ton booty, check ton booty, check. On a plus de mal là sur le troisième, on est. Là. Mais comment tu les as placés en 5 secondes alors que nous ça fait une heure qu'on est sur la ligne? En fait, l'astuce c'est que déjà, comme je te l'ai dit, le bouton A il sert autant à annuler qu'à la pipette. Donc je m'approche d'une entité, j'appuie sur A, ça me le sélectionne, puis je secoue frénétiquement ma souris jusqu'à ce que ça passe au vert. Tout en gardant le clic gauche enfoncé. Bah là je. Ah et ça le pose tout seul quand tu maintiens. Ok. En fait moi j'attendais que ça soit vert pour cliquer. J'avais un peu oublié le. Voilà.
la chose. Ça, c'est fait. Donc on a 4 lignes de fer qui sont prêtes à produire. Ensuite, il va nous falloir... Ah oui, non. Alors, ça va être galère, là. Ah, comme ça. Oui, parce qu'il y a une ligne pour le... Oh la vache. Il y a une ligne pour le charbon et une ligne pour le fer. Alors, on va faire déjà une ligne. Est-ce qu'on a des fours quelque part? Est-ce qu'il trace des fours? J'ai 2 fours en pierre. Ah, oui, on va être léger. Bon, alors je t'invite, on va piquer du... On va prendre tout ce qu'on peut en acier, en fer. Voilà. Oui. Fer, beaucoup de fer. Voilà, tout le fer qu'on peut prendre. Et on va simplement... Comment on fait déjà pour le piquer CF? Non. Non, tu cliques sur un wagon et tu fais CTRL-CLIC sur un stack. Voilà, moi, mon inventaire est plein. Ah oui, mais ok. Hop, voilà, mon inventaire est vide. Non, pourquoi Ok. Alors, ça me fait penser qu'il faut... Oups. Faut que j'active le retour de mon stream, parce que sinon je verrai pas les gens qui me parlent. Genre de... Rome Mano, Mika, bonjour à vous. Quel mal poli, tu ne dis pas bonjour. De ton côté, t'as des viewers? J'ai pas de... Enfin, j'en ai un. Il est l'unique, il est le seul, il est l'élu. C'est un bot? Non. Il n'y a pas de bot chez moi. On enlève les bots. Hop. Non, mais c'est possible que ça soit moi-même, par contre. Parce que comme je check depuis mon téléphone que tout se passe bien dans le chat. Qu'on n'ait pas besoin de sortir le fusil à pompe. Non, il n'y a pas besoin. Tu es où? Dans un wagon. Qu'est-ce que tu fous dans le wagon? Bah, j'étais en train de faire des Alt F4, donc des Alt Tab, donc le fusil à pompe à portée de main, disons que voilà. Il est possible qu'il y ait une douille qui soit partie toute seule. Sans faire exprès. Voilà. Hop, quelques lampes de plus. Donc ouais, là on va piquer tout le fer qu'on peut. Et on va le ramener à la base principale. Toutes les plaques de fer, ouais. Hop, toutes les plaques de fer et on va le ramener à la base principale pour terminer la môle. Parce que sans la môle, on ne peut rien faire. Allez, viens avec moi. Les gens ont vu que je faisais pas la bonne chose depuis le début. Ouf. Niveau 65. D'accord. Sans plaque de fer. Ah, et j'ai corrigé l'aide à la conduite. Ça va être bien pour moi. Tu viens en voiture? J'arrive. On a les deux véhicules? Yep, ici. Je vais devoir conduire. Oui. C'est parti. Oh, faut que je la répare, ma voiture, elle va mourir. Quel est votre objectif? Bah, l'objectif, c'est de finir la mission, d'avancer sur le... Sur la to-do list qui est ici. Comment En fait, l'objectif global de cette mission et de tout ça, c'est de faire découvrir Factorio à Itaki, de la mettre en confiance et de la rendre autonome autant que possible sur les bases. Là, nous sommes à la science violette. La science verte. Comment il a fait pour bah, c'est aussi de m'apprendre à... c'est aussi apprendre à conduire ce jeu. Ouais, recule et on va prendre plus large. You. Voilà. Si t'es pas à l'aise, tu conduis à faible vitesse, ça suffira. Pense à dézoomer pour voir où tu vas. Ah oui. Ça, c'était un caillou. Mais j'ai dézoomé. Ok. Voilà, donc on retourne vers la base. On va aller remplir la moule de fer. On en manque. Mais j'avance plus.
J'avance plus, je crois que j'ai plus de... J'ai plus d'essence. Ah, attends, j'arrive. Je te confirme que tu n'as plus d'essence. Ah, attends, j'en ai là. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Des zoomons. Donc l'objectif c'est de la mettre en confiance, de lui, voilà, de la rendre autonome et lui donner envie de continuer à jouer. Donc nous avons, je vais passer en vue carte, nous avons la science rouge et la science verte qui tournent, mais qui manquent de ressources, parce que notre filon de fer est quasiment épuisé, si ce n'est complètement. Et puis il était petit aussi. Hein. Tout à fait. On a un peu d'électricité qui a été restaurée par Madame Itaki. Et nous avons un début de môle qui est ici et que nous allons terminer pour fabriquer le reste de la base. Itaki ? Oui ? Je t'invite à prendre des plaques de fer en main, à faire contrôle-clic, et tu vas amoureusement badigeonner toutes les... Comme ça. Est-ce que tu m'as... Où tu es où ? Bah, au magasin. Je t'ai perdu. Au magasin, en bas, au sud. Oui, j'arrive. Oui, ah, oui, c'était pour... ah oui, c'était pour ça qu'on en avait besoin, bah, tu vois, j'avais oublié. Hein. Regarde, tu prends une pile de plaques de fer dans ta main, d'accord ? Oui. Tu fais contrôle, oui, tu fais contrôle et tu fais clic gauche sur toute la lignée. Gauche. Toute la lignée. Voilà. Ok. Il y en a besoin ailleurs ou... Bah... Oui, sur certaines des usines qu'on peut pas encore fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin d'engrenage? Je peux essayer de faire un peu de tapis. Ah mais non, les tapis se font tout seuls. Ouais. C'est le principe de l'usine. Hop, voilà, donc on a 4 nouvelles usines qu'on va pouvoir poser et blindées de fer. Voilà. Ça je fais, ça j'ai compris. Les poteaux électriques, parce que ça on va en avoir très vite besoin. Ah ça fabrique, ça c'est reparti en fabrication. Ou l'électricité ça... ouais. Ça tangue. Ouais. C'est compliqué. Pas beaucoup. C'est éclairer la bougie bientôt. Qu'est-ce qui s'use comme ça? Bon, on a les panneaux solaires qui tournent, mais ah, les fours électriques qui consomment un petit peu. Ah oui, oui, effectivement, oui. Oui, il est possible que ça consomme un petit peu, oui, les fours électriques. Faut que j'aille chercher des plaques de fer, peut-être. Bah non, niveau fer ça va, c'est pas le problème, faut juste en remettre régulièrement dans les machines à engrenage. Je voulais dire cuivre. Non, le cuivre ça va. Je vais faire... Oh là là. Ouh là là. Vous avez évité l'éternuement de folie. Ah ça c'est gentil de ne pas m'avoir éternué dans les oreilles. Le oh là là de la panique, tu vois. Entre et j'ai essayé de gérer la crise et de gérer le micro. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai pris des habitudes, même quand je suis pas en live, j'ai le réflexe de choper mon micro pour l'éteindre quand j'éternue. Ah, j'ai pas. Ça me le fait pas encore. Oui, non, mais moi je suis un névrosé, je le sais. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu que tu rencontres Katoche, c'est. Alors je crois qu'elle s'en fout qu'on communique là-dessus, mais elle est Asperger, tout comme moi, sauf que c'est beaucoup plus rare pour les femmes que pour les hommes. Donc voilà, c'était la petite note amusante. Ouais, tu me... Alors, ton micro coupe par contre. Il faut parler dans le micro là, madame. Il coupe ? Oui. La sensibilité qui doit être mauvaise. Oh, tu me redis si jamais ça. Non, mais tu me redis si jamais ça. Bah, c'est la première fois qu'il coupe. D'habitude, il coupe pas avec moi. Alors, écoute. Ah, si, il y a des fois où il a coupé, mais tu l'avais pas mis dans ta bouche aussi. Ouais, je l'ai rapproché. Voilà.
Alors maintenant, il va falloir placer les bras. Ça va être le plus long. Donc pour ça, il va nous falloir des bras bleus. Pour faire des bras bleus, il nous faut des bras jaunes. Pour faire des bras jaunes, il faut des engrenages et des plaques de fer. Donc on va récupérer manuellement des engrenages, les coller là-dedans. Et récupérer manuellement les ressources qu'ils ont besoin. Ah ouais, on est là, je niveau ressources de partout, quoi. Oui. Enfin, en cuivre, ça va encore. C'était quoi que... C'est des bras jaunes que t'as besoin. Les bras jaunes, ouais. L'usine de bras jaunes. Chercher des... C'est l'usine de bras jaunes qu'on doit faire tourner. Tac, 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 tac. J'ai plus d'acier. Bah oui, si on n'a pas de fer, on n'a pas d'acier. Alors. Voilà, j'ai mis des circuits. Il va falloir d'autres circuits, d'accord. Je te pique ça et je te pique ça. Il me fallait ça pour des coffres. Je me fais voler à la sauvette là. Et le violet, voilà. Comment je faisais pour diviser un tas de ressources en deux? Clic droit. Ah, clic droit. Comme sur Minecraft. Alors, Astronir, ça fait une éternité que j'ai. T'as déjà joué toi, Astronir? Non. Bah, Minecraft, j'ai déjà joué, mais il y a une éternité. Hein. Je dois avouer que. Ah, tour de poteau. En plus, je pouvais pas avoir de skin sur Minecraft. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà, donc tu vois, ça commence à produire, tout doucement, mais ça produit, des bras bleus. Ouais. Les fameux bras bleus qui vont nous être nécessaires pour tout le reste de la factory. Donc je te laisse piocher, ici, et commencer à les répartir. Ouais, alors et attends, du coup, je vais... Parce que je fais des allers-retours pour voir des bras jaunes aussi. Mais ils sont là, les bras jaunes. Où ça? Bah là. Oui. Bah oui. Non, mais oui, mais j'alimente. Ah. Je fais en sorte qu'il continue d'y en avoir. Mais tu les as tous pris, les bras bleus? Non, non, il y en a dans la caisse, là. T'as bien... Ah, la caisse, là! La touche Alt est bien activée? Oui. D'accord. Attendez. Oui, la différence se voit. Elle est activée. Bon, là, là, va falloir placer les tapis. C'est un peu long, mais ça se fait. Vraiment, ça prend une dizaine de minutes. R. Finalement, quand tu fais une pause, t'as rien de bien méchant, de compliqué dans Factorio, mais finalement, quand tu fais une pause, t'as vite fait d'oublier les mini-réflexes que t'avais oui. Commencé à prendre. Alors, on va partir de la ligne de cuivre, qui est la plus importante. Finalement, ça arrête de s'afficher s'il y en a plus des bras dans le coffre. Le dessin, c'est que s'il y en a. Ouais. Pas mal. Oui, ça affiche le contenu. Oui, oui, oui. Non, non, mais du coup, enfin, tu vois, sur les usines, ça aurait pu être juste l'image collée sur le coffre, en gros. C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Alors, comme ça affiche le contenu, ben, si t'as rien,
Y'a rien. Y'a rien. L'avantage, c'est que au bout de la ligne de chemin de fer, même si elle n'est pas pour le moment reliée, on sait qu'on a du fer de produit. Le problème, donc déjà, on a besoin de s'occuper du charbon. Mais le problème, c'est que pour le moment, il ne vient pas jusqu'à nous. Oui. Ouais, ouais. Il n'y a pas grand-chose qui vient jusqu'à nous, à vrai dire. Non. Je vais faire un aller-retour avec la voiture. Je te laisse continuer. Alors, ce que je te recommande aussi, c'est de te faire ici... Tu ouais. Veux, décharger tes poches des objets qui ne sont pas nécessaires. Ah bah j'ai du charbon. Si jamais. Alors le... Ouais. Je vais prendre le charbon, ça va m'être utile. Tout ce qui n'était pas nécessaire, je t'invite à le dégager. Parce que c'est jamais perdu. Au pire, on le recyclera avec la machine qui... Par contre, j'ai plein de convoyeurs là, des rails jaunes. Ouais, j'en ai aussi. J'en ai aussi, mais tu peux les dropper dans une machine. Ou est-ce que j'essaye d'en faire des rouges? Alors, essaye de placer tous ceux que tu peux en jaune. C'est pas grave, plus tard, on les changera en rouge. Ouais. Allez, on va essayer. On est sur du Tetris. Ouf. Alors il y a énormément de cuir dans ta... de cuivre dans ta voiture. Peut-être. Ah et moi j'ai tout le bois de la terre. Bah c'est ce qu'on avait récupéré, ouais. Ouais, alors ça fait beaucoup là quand même. On a du béton aussi. C'est pour le sol, ça? Pour le sol, tout à fait. Ok. J'ai retenu. Donc ouais, on a un coffre entier de... De bois. Donc si tu veux mettre des dallages en pierre, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, on a ça, on peut. Hein. Pour l'instant, je me fais plaisir avec des tapis. Ah, tout le nécessaire est ici, je te laisse aviser. Dans les coffres, t'as mis ? Là où j'ai ping. Regarde, tu cliques sur le côté gauche et ça va t'afficher. Ah là, oui, d'accord. Et t'as mis quoi, tout le nécessaire ? Pour faire des chemins ? Alors, clique sur le menu à gauche, là, et ensuite tu fais passer ton curseur dessus. Sur le côté droit, tu auras le contenu de ce que tu as sous le curseur. Bah, j'ai du contenu, mais je sais pas si c'est ce que tu essayes de me dire ou pas. Donc, comment je échappe ? Ouais, c'est vrai qu'on avait fait une to-do list. R pour bouger. Les tunnels, t'as vite fait de plus rien comprendre par contre. C'est pour ça qu'il faut les faire un par un. Je vois pas de quoi tu parles.
Voilà, j'ai mis quelques trucs en attente. Ouais, je viens de voir ça. Alors, lui, il demande combien? 200. Ah, on va le déprioriser, celui-là. Parce qu'on en a vraiment besoin. Les fours. Parce que pour faire des fours... Ah ouais, mais non. Mais bon, bah, c'est pas grave. Ah, non! Ok, ça prend forme. Je devrais peut-être, je vais essayer de faire par là. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Ah, ça devrait marcher. Vous n'avez rien vu, je n'ai absolument pas fait une bêtise. Les gens me voient y faire ça, je dirais que je fais des clics droits sans faire exprès qui enlèvent ce qu'on a posé. Mais tu te souviens qu'il y a le fameux CTRL Z? Enfin, CTRL W. Non, mais j'ai remis en place. Ah, si tu remets en place dans le même sens, tout va bien. Ah, j'ai remis en place dans le même sens avec la même production. Ok. Le problème, c'est qu'on a besoin d'énormément de fer. Alors, la priorité, ce serait le zigzag, là que tu es en train de faire. Parfait. Nickel, j'avais prédit un petit peu. Ben, moi, je suis en train de ramener du fer en grande quantité. En fait, je suis en train de blinder la bagnole, pour être exact. Ouais, c'est bien. Au moins que tu vas revenir, on va tout... Ouais, sachant que la voiture a un plus grand coffre qu'un wagon. Hein, voilà, bon, je cherche à comprendre. Non mais ça doit être plus pénible si jamais tu... fais un accident. Ah bah tout est réparti au sol, oui. Et là t'as mis des coffres, ok. Prenons ça. Non, ça c'était un arbre. Ça, j'ai cru que t'étais en train de me dire non à moi. Je suis là, mais il a vu que j'ai fait une bêtise d'ici. Il est trop fort. Alors je pourrais, mais si je te surveillais, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ouais. Bah écoute, en plus j'avais pas fait de bêtise, mais le fait que tu dises non. J'ai là. Ah bon? Genre, j'ai vérifié mon truc, tu vois. On va devenir paranoïaque après. Ah, mais il y a pas. Il y a un problème d'électricité, non? Manque d'ingrédients. Mais non, mais t'as tous les ingrédients du monde là. Faut pas se moquer de moi là. Les engrenages, ça part à une vitesse ouais. Folle. Ah ouais.
J'ai besoin de plaques de fer aussi. Alors... Ouais, plaques de fer, elles arrivent. Hop, plaques de fer dans la voiture. Voilà, plaques de fer, c'est bon. Ah, mais t'as fait des chemins! Ouais! Tu t'es amusé, hein. J'avais pas. Je dézoome, je suis bien. Bah non. Ah, oui, bah du coup, c'est toi qui es en train de les placer. Pour en mettre dans les engrenages. Ouais, pioche dans ta bagnole le cuivre, s'il te plaît. Elle est où ma voiture? Elle est de l'autre côté, je crois. Elle est rouge. Bah elle est où? Surtout. Ah oui. Je me demande qui s'est garé là. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Tu sais, des fois sur un parking, je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais genre tu te gares entre deux voitures mal garées ou entre deux voitures et il y en a une de mal garée. Oui. Tu te gares comme tu peux donc. Et quand tu reviens, genre il y a aucune voiture et du coup t'es juste mais en travers. J'ai l'impression que c'est toi qui est arrivé à fond en... sans respecter, tu vois. Alors j'ai pas le permis, mais je visualise tout à fait ce que tu veux dire. Je crois que j'ai mon voisin qui s'est cassé la gueule. Là, toi aussi, t'as un voisin bourré qui fait des bruits la nuit? Bah écoute, je pense qu'il est, il vit la nuit, parce que déjà, il ne fait des bruits que la nuit. Et il commence à me courir sur le haricot, surtout. Alors moi, j'ai un voisin qui est bourré H24. Voilà, faut le savoir. Ah. Ah si, si, des fois, il fait des bruits monstrueux, genre quand il se vautre. Puis quand tu descends en disant « ça va ?»« Ouais, ouais, ça va. » Je vais rester au sol 2-3 minutes, ça va aller. Merde. D'accord. Ok, vous êtes sûr que j'appelle pas les pompiers? Non, non, c'est bon. Tout va bien se passer. Itaki, dans ton inventaire, est-ce que tu aurais des chaudières? Des machines à vapeur, pardon. Des machines à vapeur, non. Ça me dit rien, ça. C'est sûr? J'ai une machine, j'en ai une. Ok, ça m'évite d'en fabriquer une pour rien. j'en ai une. Je cours vers toi. On va se faire le relais. Yeah. Je prends ça. Et puis ça. Et mais, puis ça. Mais tu fais comment pour piquer dans les poches? Bah en fait je suis admin. Ah mince, d'accord. Ouais, parce que j'ai cliqué sur ton perso, moi je pique rien du tout quoi. C'est la loose de mon côté. Ouais. Mais il faut mieux ça, parce que je serais capable de t'arrêter le jeu, tu vois, en plein milieu. Genre. Non, et puis les commandes admin, c'est pratique quand t'as des bugs ou t'as des petits soucis, tu vois. Ça peut arriver des fois avec des petits mods, des trucs comme ça. Alors, chaudière. Tu vois, au départ où je disais, ouais, ça va, on est large. Eh, bah, plutôt que ça. Non. Il me manque. Non, mais c'est dingue. Ouf. On va avoir des problèmes bientôt. Ça parle mal. C'est bon, on est repassé dans le vert, mais c'est tout juste. Par contre, le bois, il peut nous servir à faire du plancher et des... Ah oui, alors faudrait que j'arrive à activer la recherche. Je suis en train de faire les tunnels. Cool. Du coup, je les fais rouge pour que l'espace reste le même. Si je commence à placer jaune, on n'aura pas l'arrangement que tu avais fait, quoi. Pour les tapis, c'est pas grave, mais. Alors, bon, vu que c'est modé, c'est compliqué, mais je vais le faire à la main, c'est pas grave. Alors. Il nous faut de l'électricité et une usine. Je crois que c'est pas très coûteux. Il nous faut du bois.
crois que j'ai placé une lampe, je sais même pas comment j'ai fait. Alors c'est en me trompant, j'ai placé une lampe. Faudra regarder sur la vidéo, la VOD si elle y était avant ou pas. Flash. Alors, ça demande du bois. Alors, du bois, ça va, ça on en a. Il faut pas en manquer. Alors, que se passe-t-il par ici? Ah, il n'y a plus de cuivre. Si, du cuivre. Bah, pourquoi il dans ma voiture doit y en rester. Oui, non, mais pourquoi il marche pas? Quoi? Je sais pas, j'ai un bras qui avait bugué. Qu'est-ce qu'il a besoin à lui? Un grenage, je suppose. Oui, c'est ça, d'engrenage. Il avait besoin d'engrenage. Huit tapis, alors. On va essayer de les placer déjà là où je comprends comment ça fonctionne. En fait, le souci, c'est que le plan est trop compact, c'est ça que tu me dis? Non, c'est surtout que c'est pas mon plan. J'essaye de le... Quand je place, j'essaye de comprendre où ça va pour bien placer, quoi. Enfin, j'essaye de comprendre de ton plan bride par bride. Ouais. Pour que quand je place, ça fonctionne et non pas que tu repasses derrière en disant bah c'est voilà. Donc j'essaye de prendre des points de j'ai mis des tapis donc là j'essaye de il y a 50 aussi il y a 50 tunnels donc j'essaye de comprendre qui est qui. Ça se voit qu'on est full concentré, on parle plus comme au début. Ah, c'est passé un truc? Ouais, on a débloqué une nouvelle recherche. Les fours en acier qui demandent des briques en pierre ainsi que des ainsi que de l'acier. Ça va, les briques on a. Ce qu'il nous faut surtout c'est les sorties. Alors bras bleus. Ah. Ah oui, bah oui, logique. Alors, comme je disais, le plus important, c'est de faire le tour. À l'extérieur? Non, le tour là. Ça? Là où je suis. Parce que tout ce zigzag là, c'est là où il y a le fer, le circuit, les engrenages et les circuits électroniques qui circulent. Ok. Ce qui est le nerf de la guerre. Pourquoi j'ai un fantôme de poteau électrique? Non, merci. Pas envie de... Ça se place, hein, doucement mais sûrement. Ouais, j'en doute pas.
Ah oui, il me manquait des coffres ici. Alors, un là, un là. De temps en temps, tu poses et tu te dis, oh, j'ai pas besoin de faire très attention. Mais en fait, après, tu t'es sur un tapis et tu vois ton écran qui bouge. Ah mince. Ça serpentine. Ah, je suis devenue une prose de la pose de tapis. Je suis une pro. À d'autres chers amis de l'ombre qui nous rejoignent, bonjour et bienvenue. Nous avez dans le chat un lien de multistream qui vous permet d'avoir nos deux POV en même temps. Et notre cher ami Itaki devrait normalement le coller dans le chat à peu près maintenant. Attention. J'ai bugué sur le mot stream. Je ne suis pas une vraie. Aïe aïe aïe. Attendez, les gens de mon côté, j'arrive, je vais vous coller le lien. Sur chat, le lien dont sur chat, parlait, ces flèches du haut, ça permet de balancer le dernier message. Oui, non, mais c'est juste que j'avais pas copié le lien encore. Donc j'ai ouvert ma page Twitch pour mettre ça à la vue de tous. Mais bon, alors c'est étonnamment drôle, j'ai plus de monde en journée qu'en soirée. Ce soir c'est extrêmement calme. Après c'est le samedi soir, faut profiter aussi. Hein. C'est chelou parce qu'en général en Europe on a plutôt du monde en soirée. En soirée, ouais. Parce qu'on a aussi les anglophones. Ah bah écoute. Parce que non, chez eux hein, il est 16h en fait. Ah, message de Itaki. C'est pas moi, c'est une fausse. J'avais perdu le R de mon clavier, le R qui fait tout. On ne s'arrête plus dans la pose du tapis. J'ai plus. Non, la crise. Comment allons-nous faire? Réfléchissons. Ça avance tout doucement, mais ça prend forme. Ah oui, mais j'ai dit à la main, ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Hein. Déjà pour l'avoir fait de nombreuses fois sur des parties multi, je te confirme que ça se fait. Alors, je me souviens qu'à un endroit, il y a un bras qui... Ah voilà, il est là. Il était pas bon. Ouais, non, un bras qui n'a rien à foutre là, et c'est un ersatz d'une ancienne... Bref.
Je vais vérifier, il doit rester 2-3 tapis à mettre là sur la. Sur la gauche, même si on n'y est pas encore. On me voit là en live mettre. J'appuie et au moment où je suis sur le bon sens, je rappuie. Genre, je n'ai pas compris. Bah, c'est pour ça que j'utilise contrôle roulette avant et roulette arrière en fait. Ouais, ça va plus vite. Il y a moins de chances de se planter et puis même si tu te plantes, tu peux rattraper quoi. Mais je suis habitué au. Ouais, mais je suis habitué avec le R. Essaye de t'habituer, tu vas voir que les deux sont utiles. Essaye. Je crois qu'au niveau tapis, par contre, on est opérationnel. Ouais, il manque quelques splitters et souterrain. Tac, tac, tac. Alors. Cette chose ne fonctionne pas. Très bien. Il n'y a plus de fer dans la voiture. Non, elle est vide la voiture. Ah. Ouais, ça a posé quelques difficultés. Et puis on a plus de fer dans pour les engrenages parce que c'est déjà tout. Déjà un peu redistribué. Je vais aller voir si dans le recycleur on n'a pas laissé des trucs. Tu sais, ce moment où tu commences à chercher sous le canapé pour. Exactement. Où est la pile de la télécommande? J'en ai besoin pour la lampe. C'est aussi, c'est. Ah oui, la dernière fois, j'ai vu par là une chose qui ressemble. Non, ça t'a jamais fait ça quand tu cherches un truc, tu le vois absolument partout. Ouais, mais alors moi, ça fait genre, je le cherche pas, je le vois de partout. Et au moment où je le cherche, pas moyen de remettre la main dessus. Genre, comme si à chaque fois que je l'avais vu, je l'avais changé d'endroit, tu vois. Sauf que non. Mais là, récemment, j'ai fait la boulette de ma vie. Hein. C'est-à-dire que, genre, je regarde mon sac à main, je me dis, ok, j'ai ma carte bleue, je vais faire mes courses. Arrivé à la caisse, je n'ai pas ma carte bleue. Ah, et puis toi, t'es pas en région parisienne où tu es juste à traverser la rue pour avoir le supermarché? Non. Non, je me suis tapé 20 minutes de voiture pour aller chercher ma carte bleue, payer mon chariot et rentrer chez moi. Avec tout le monde qui est derrière toi, qui te juge. Ah bah non, mais là, elle a fait passer... Enfin, là, elle a juste mis mon... En fait, mon caddie, je l'ai poussé sur le côté et elle a mis mon paiement en attente. Et voilà. Et genre, je suis partie et j'étais là. Pitié que quelqu'un me prenne pas quelque chose dans mon caddie que la caissière surveille à moitié, du coup, parce que c'est de ma faute et pas de la sienne. C'était la première fois que ça m'arrivait en 25 ans, quand même. Viens voir. Où es-tu? Je t'ai vu passer, t'es là. Oh! On a du parquet! Il a son propre bruit, je sais pas si tu entends. Ouais, si. C'est agréable. Ouais. Bah, il faut bien faire quelque chose de tout bois qu'on a récupéré, quoi.
On va faire une session à ASMR là. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, ASMR. Voilà. Dans mes lives, j'ai des petites sessions ASMR comme ça. Peut-être qu'un jour, je ferai une compile. La molle prend vie. Quel est donc ce cri de bataille que tu nous... Bah, c'est une certaine satisfaction quand ce que t'as construit commence à prendre vie parce qu'il y a les ressources qui arrivent à bon temps. Ouais, là... Aïe, les engrenages. J'en ai besoin. Donne. Où est-ce que je peux les piquer là, normalement? Ah, attends. Il y a un souci, là. Comment ça se fait qu'il... D'accord. Tu prends pas? Ouais, il doit y avoir... Ah ouais, il devrait prendre. Il doit en manquer un, alors. Ah, bah c'est mieux, oui. Ok, donc là je peux en replacer. Ah, mais t'as mis des jaunes là. Attends, j'ai des rouges. Alors, les rouges en priorité pour les grandes distances. Donc là par exemple, hop. Et puis sur les petites distances, on peut mettre des jaunes. Après, on améliorera. Il y en a un qui sort, je sais pas où il est là. Bon, c'est pas grave, allez hop. C'est quoi ça? Ah mais non, c'est un diviseur. Ok. Je croyais que c'était un tunnel. Hop, hop, hop. Hop. Bam. Voilà. Alors, ça c'est pas du travail de chef. Daïk a fait toute une ligne et moi j'ai posé un diviseur. Yeah. Non mais je juge pas, hein. Moi j'ai beaucoup plus d'heures de jeu donc c'est normal que j'ai des automatismes. Déjà tu passes un bon moment, ça me fait plaisir. Oui. Alors, du coup j'en ai un autre de diviseur, je cherche ici si je peux en mettre un quelque part. Mais apparemment non. La tristesse. Combien d'heures de jeu Itaki répond à la question en première. Oh punaise, on a fait 2 lives de 3 heures. Donc je dirais que là on en est à la 7ème, 8ème heure. 8ème heure, de sûr, parce que du coup j'ai fait les 2 premières missions du tuto seul. On a 6 heures sur 7 missions et... On en a 7, hein. Et t'as joué à peu près 1h30, 2h toute seule. Ouais. Exact. Voilà. Et pour ma part, je suis à plus de 3000. Mais c'est pour ça que c'est lui qui fait les plans de la base. Alors, oui et non, oh, parce que je te rappelle que tu vas avoir un exercice pratique et je ne t'aiderai pas. Ah non mais c'est foutu l'exercice pratique, hein. Nous on est là en touriste, hein. D'ailleurs est-ce qu'on peut le faire? Ah bah ça sera une des prochaines recherches qu'on pourra faire. Donc c'est une bonne chose. Qui est bonne pour toi n'est pas forcément pour moi apparemment. Non mais si, parce qu'il faut que tu apprennes à le faire et puis c'est une recette qui est simple. Ça c'est quoi ça? On va dire c'est la première vraie recette où tu dois commencer un peu à te creuser la tête. Ok. Parce que bon, faire des bras jaunes et des tapis jaunes, ça va. Oui, il y a d'autres choses également. Daï nous installe le parc. Tu sais que je sais en poser du parquet flottant. Voilà, c'est l'information qui ne sert à rien, mais avec mon diplôme de menuiserie, en fait, on m'a demandé de poser du parquet flottant. Mais c'est pas si compliqué que ça quand tu sais faire. Alors, quand tu sais faire, non, il n'y a rien qui est compliqué. Quand tu sais pas faire, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste être très soigneux et réfléchir bien avant de couper.
Voilà, non mais enfin, c'est pas comme le lino, genre tu dois coller le truc et tout. Enfin là, faut Alors, juste c'est pas. bien, très bien emboîter et bien caler dès le début, là où tu commences Il quoi. n'y a rien de complexe dans la pose du parquet. Le lino, c'est effectivement c'est plus chiant parce qu'il faut encoller, faut éviter les poches d'air et tout ça. Mais le parquet, l'avantage, c'est que tu travailles sur les surfaces qui sont très petites. Donc tu peux emboîter chaque truc et puis si tu dois ajuster, tu mets un coup de maillet, quoi. Alors, si jamais tu cherches à côté de la science verte, on a une production de tapis, de sol en bois. Voilà. D'accord. Ah, pas de... suis sur les bras bleus. Je vais chercher du fer. Je crois qu'il manque un bras là. Moi, je suis pas. N'hésite pas à prendre des poteaux électriques, hein, normalement ils se produisent. Oui. Il y a tellement d'usines, c'est le temps que je trouve laquelle. Ah si, c'est bon, c'est en haut. Mes bras bleus n'ont plus de bras jaunes. Mes bras jaunes n'ont plus de circuit électronique. Parce C'est qu'ils pas doivent manquer de normal. fer, à mon avis. Ben non, mais j'en ai là, j'en vois. Non, je pense que ça va pas jusqu'au. Pense que c'est le chemin qui est pas complet, oui. Oh, il manque de fer également. Là, il manque d'électricité. Non, les circuits électroniques n'ont plus de fer pour se produire. Et peut-être du cuivre. Le temps que je revienne, colle-en un peu du cuivre. S'il te plaît. Oui. Alors. Ah, j'ai pas de briques. On a de la brique quelque part? Il y en a 4 On sont a des dans un briques coffre. en. On a des briques en pierre, quoi. Oui, bah oui, il y en a 4 sont dans un coffre que je n'ai pas pris. Erreur. Tac. Mais avant ça, je voulais cette chose. Alors, mon ou ma mon cher Mika, déjà, est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie? Même si c'est pas le cas, tu réponds oui, s'il te Ah non, on va pas le forcer. plaît. de bonne humeur. Non. On a le droit de passer un mauvais moment et de rester quand même. Attention, ça c'est les vidéos YouTube Et on a aussi le qui nous droit à énervent. pas être d'accord et à le dire pourquoi. Ouais. Ah, on a le droit de dire ses astuces du jeu également. Comme Oui. ça, sait-on jamais, on peut peut-être apprendre quelque chose. Disons qu'à ce niveau-là, il y a peu de choses que je puisse t'expliquer en plus, puisque bah, le problème là, c'est plus les ressources que la technologie, quoi. Le fer, excuse-moi, il y en a dans la voiture. Et la voiture est ici. Tu m'as mis ça. Oui. Juste, attends, j'étais en train de faire quelque chose et j'ai complètement. Ah, le poteau, le poteau. Ce que je voulais, c'était le. Voilà, moi je vais prendre ta voiture. Ça met où le poteau une fois qu'il est construit là? Tu as une boîte là, une boîte là. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé la boîte. J'ai trouvé la boîte, mais. Voilà, 50 poteaux, bam, qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas. Bah, un stack de poteaux, voilà, c'est bien, ça t'es autonome. Alors, ici.
Par contre, j'ai zéro munitions dans cette voiture, donc si je me fais attaquer, c'est foutu. Ouais, j'avais dû les prendre pour les mitrailleuses. Ouais. Auto. Donc ne meurs pas. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ouais, quoique dans le jeu, c'est pas bien punitif finalement de mourir. Ah, ça dépend. Parce que tu n'as que 10 minutes pour aller chercher ton corps. Et si tu as des ressources qui coûtent extrêmement cher sur toi, c'est un peu la fin. D'accord. Bon. Donc, si t'es pas trop loin, c'est pas punitif, mais si t'étais loin... C'est faisable. Donc tu ne me demandes pas de fabriquer un autre logo que celui qu'on va payer, je peux te faire tout ce que tu veux. Ah, nos prénoms, regardez-moi ça. Ça c'est moi, c'est ma création ça. Uno. Pas besoin de... C'est un four modé, non. Non, non, c'est le four de base, four en acier, et celui-là, c'est le four électrique. Sauf que vu que ici, on a trouvé un reste d'une ancienne base, on a pu récupérer des ressources d'une ancienne base. Mais Et qui était de haute technologie, du coup. Mais on a commencé à zéro, enfin... On n'a rien fait popper sur notre partie. Alors, le seul genre truc, ça, on peut pas l'avoir. Si, le seul truc qu'on a fait popper, mais techniquement on a la recherche pour, c'est le recycleur qui est ici, qui permet de déconstruire de un niveau les ressources. Mais voilà, ça techniquement on a la technologie pour. C'est juste que le scénario nous bloque dans certains trucs. Voilà, mais c'est. On essaie de rester aussi proche du vanilla que possible. Les mods ne nous servent qu'à des aides visuelles ou à des aides techniques, genre l'interface, genre là l'interface sur la côté gauche qui affiche les ressources qu'on consomme instantanément, ou la to-do list, voilà, disons qu'on peut faire sans rond, c'est juste une aide pratique, quoi, y a aucun changement avec quoi. Après, moi je fais partie des gens qui ont lancé Skyrim sans un mod. Hein. Alors tu fais ça au début, puis quand tu t'es emmerdé avec les bugs et tout ça, et puis qu'un jour tu découvres qu'il y a des mods qui corrigent la moitié des trucs, qui finissent le jeu, en fait tu fais oui. C'est le jeu le plus modé en fait. Hein. The Witcher en a pas mal également. Pourquoi je trouve pas les lampes? Il doit bien y avoir un coffre à lampes. Alors une astuce, quand tu trouves pas un truc, tu dézoomes et normalement tu devrais voir les icônes. Mais elles sont toutes petites mes icônes. C'est pas mon problème. Parce que... Moi, je vois où sont les lampes, mais je vois pas de coffre ou s'il y en a qui sont déjà fabriqués, tu vois. Non, il n'existe pas encore. Non, il n'y en a pas, parce que ça demande des bobines de cuivre et bobines de cuivre ne sont pas... À ce qu'il manque ce bout là. La BP où là? Tac tac tac, si je dézoome. D'accord. Alors. Ah, c'est quoi cette chose? C'est un poteau électrique ça? Non, c'est quoi? J'avais oublié à quoi les fours en acier ressemblaient, je les utilise plus beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après là, sur cette map là, on n'a pas trop le choix, mais effectivement, j'essaye de les faire disparaître le plus tôt possible, parce que c'est un gaspillage de ressources et de temps. Le charbon, j'aime pas trop ça. Et puis il faut toujours aller l'alimenter. Bon, après tu mets tes tapis et tout, mais je trouve que ça coûte beaucoup quand même. Oui, ça coûte beaucoup et ça pollue quand même pas mal.
Ça non, c'est pas des poteaux électriques ça, ou c'est pas les mêmes. Les gros. Quoi, cette chose. Les gros, c'est ah, des. Attends, c'est non, un pas... terre technologique que tu n'as pas encore. C'est des substations. D'accord. Ça fait de l'électricité sur une très large zone. Donc c'est pas. C'est très pratique pour faire des constructions très propres parce que du coup t'as pas des câbles qui volent de partout, t'as 4 poteaux et puis basta. Non mais il me manque des tunnels. Oui. Attends, j'essaye à. Jaune ou rouge. Il y en a assez rouge alors. Tac, tac. J'essaye, je me suis perdue, tu sais, j'ai fait deux pas pour aller chercher des tunnels et après je suis. C'est où? Là. Pourquoi j'ai plus mes. Prends les tunnels en fait. Ouais. Allô? Tac. Tac. Voilà, on va essayer de finir notre circuit pyramide. Pas la gueule d'électricité. Moi, j'aime pas le fait qu'on ait plus de plaques. J'y travaille, madame, j'y travaille. Vous y travaillez, monsieur, c'est très bien. Est-ce qu'on irait pas chercher du parquet? Tu as dit tout en haut le parquet, il me semble. Yep. J'ai du bois. Et ça, c'est directement le bois par terre pour le parquet ou? Non, non, ici. Ah. Elle est où? Ah, ok. Je suis allée trop à gauche. Je suis montée, puis j'ai bifurqué à un moment. 4 indications. Hein. Si je trouve pas le parquet. D'appuyer. Le parquet est pas droit. Mal, j'en ai encore 200. On n'a plus. Les choses. Oui. Itaki qui tente de communiquer. Non, je tente de communiquer avec moi-même pour trouver des engrenages.
Ah ouais, on en est à ce point, d'accord, ok. Oui. Nickel! Je crois qu'il faut que j'aille me racheter n'importe quoi. Il faut que Un j'aille cerveau? me Oui, non, chercher ça un... se fait pas en stock, ça. C'est à usage unique, désolé. C'est foutu, ça. Non, du cola. Je vais aller me chercher du cola, ça fera du sucre pour réfléchir. Est-ce qu'il y a... Mais non, il n'y a plus de plaque de fer dans ce côté-là. C'est... Okay. Je vais prendre du cuivre. Voilà. Alors, pour information, j'allais dire Wizbot, non, raté. Mika, ce que tu vois là est une de mes créations. En fait, non, enfin, c'est pas de moi, mais c'est moi qui l'ai exploité à fond. Ça s'appelle le Wagon Buffer Design, qui est en fait le fait d'exploiter un wagon comme un gros coffre, qui peut se faire prendre par 12 bras en même temps, titre. Et en fait, c'est simplement de rassembler des factories autour de ce wagon et de mettre plein de bras autour qui vont s'échanger les ressources. En mode tiens, tiens frère, vas-y, démerde-toi, fais-toi plaisir. C'est très intéressant pour des crafts multiples, tels que ici, ça construit des poteaux, des tuyaux et des piquets. Ça peut être utile pour des mods aussi, tu vois, genre ici, les ressources n'arrêtent pas de se décrafter automatiquement. Voilà, il y a diverses choses qui sont intéressantes. C'est du wagon buffer design. Si tu tapes DAE-BP dans mode factorio, tu trouveras l'ensemble de mes blueprints au format TXT. Au format TXT et à jour. En fait, j'utilise la plateforme de mode factorio pour diffuser mes blueprints et de les garder à jour. Un niveau 6, d'accord, ouais. Le monstre est niveau combien? Ah bon, alors ça va. Oh, mais même là, Mia. Bah. La dèche. T'as une Switch, toi, Itaki? Oui, depuis le Black Friday. Est-ce que je pourrais te recommander quelques jeux? Que Maïvis et moi serons enchantés de jouer avec toi. Oui, bah écoute, vas-y. Tu Bah, as. des jeux multi du coup? Bah oui, jeux multi, Oui. coop. Donc t'as de quoi noter? Non. Là en tête, j'en ai trois que je pourrais te recommander. T'as Kirby, Super Kirby Clash, qui est gratuit et qui est fun. Je connais, ouais. Qui m'a évité, comment dire, que elle a un peu retourné le jeu et il y. Ça fait combien d'heures de jeu t'es dessus? Voilà, merci. Donc t'as Super Kirby Clash qui est fun. Tu as Super Animal Royale qui est un battle royale mais très mignon. D'accord, Plus je choupi connais pas. avec des petits renards qui ont des grandes oreilles et tout et tout. Et tu as Brawlhalla, qui est un pro brawl quoi, genre tu te fous sur la gueule à 4 sur une map et puis ça va dans tous les sens. Voilà, c'est gratuit, c'est fun. Et franchement, t'as pas besoin de trop réfléchir quoi. Ok. Et à jouer à Pokémon si jamais Ah, tu veux. j'ai Pokémon, j'ai depuis Noël Pokémon. C'est quoi? C'est Perle étincelant. Elle a perle étincelant. Elle a streamé un Ok, peu le jeu je sur sa vois. chaîne et tu es la bienvenue pour qu'elle t'échange tous tes Pokémon. Surtout le dernier. Oui, mais pour les échanges, tu vas devoir payer le. Ah, t'es obligé d'avoir un. Oh, d'accord, ok. Voilà, pour l'instant, quand vous achetez la Switch, vous avez les 3 mois offerts classiques, quoi. On avait 3 mois offerts avec la Switch, nous? D'accord, non, mais je suis pas au courant. Ouais. Faut le savoir, en fait, t'as toujours dans ton pack. Ouais, non, mais Dans ton je pack. trouve que c'est une arnaque en fait, parce que tu achètes déjà Bah, la console pour 300 c'est à balles. la Xbox. Oui, mais voilà, je trouve.
je trouve que le principe de base, c'est une arnaque. C'est genre, tu payes déjà ta connexion internet, la box, le câble et tout ça, et tu dois encore payer pour avoir le droit d'utiliser ton câble internet. Puis les manettes qui coûtent le prix de la Switch. C'est plus vrai ça. La manette Spirit of Gamer que j'ai achetée, elle m'a coûté 30 euros. Elle fonctionne mieux que la manette officielle. C'est une bonne marque ça aussi. Non, mais même, elle a pas la fonction turbo. Enfin, il y a plein de trucs qui déconnent sur ta manette. Ta manette, tu peux pas la brancher sur. Tu vois ? Enfin, si on peut, mais c'est compliqué. Spirit of Gamer fait des manettes. Sinon, tu vas sur AliExpress, t'attends 15-20 jours et tu reçois une manette à 15-20 euros qui fonctionne impeccablement. En Bluetooth. Ouais, mais moi, je suis ceux qui aiment acheter de la. Du créateur, tu vois. Bah, si tu regardes d'autres manettes, tu verras qu'elle vient pas de chez Nintendo ni quoi que ce soit. Hein. C'est des mêmes lignes de production que Spirit of Gamer, par exemple. Ok. Tu vois, par exemple, la petite pince que je t'avais recommandée avec les petites lumières. Oui. Qui vaut 12 balles. Eh bah, elle vient de chez Pearl, et Pearl est une des marques qui vend du Spirit of Gamer. D'accord. Ça s'est placé tout seul. Je sais pas comment j'ai fait, c'est très bien. Je me perds dans tous ces tunnels. La molle en est où? À peu près. Par la molle? Oui, la molle en est où? Le magasin. Là où je suis? Oui. Ça s'appelle le magasin? J'étais pas au courant. Ça avance, mon manque de fer, monsieur. D'accord, alors si ça s'appelle le magasin, tu le sais, je te l'ai dit au précédent épisode. Le magasin est est relié au main bus. Ça te revient? Oui, peut-être. Alors, du fer ici. Il va peut-être y avoir des améliorations. Non, par contre, ça avance au niveau des tunnels et tout. Genre, le cheminement, ça va. Ça passe. Après, j'ai posé du parquet. Hein. C'est bien. C'est bien en attendant que le fer arrive. C'est... j'ai le sens des priorités. Hein. Des fois, je vois des choses en fantôme, j'ai ok, je vais aller chercher ça, je place là, c'est nickel, c'est propre, c'est... Je prends l'objet, je reviens. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais plus. Genre, tout ce qui était clair ne l'est plus. Bon. Les engrenages, ça se balade de partout, c'est magnifique. On va prendre ça là. On va zoomer. Tac. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Pourquoi il est plus... Des choses qui m'échappent quand même encore un peu, c'est pas grave. L'inventaire. Nice. Tranquille, pile.
C'est bon, j'ai retrouvé mes fantômes. Mes fantômes ne n'en sont plus. Ah. Par contre. Itaki, je suis trop loin, oui. Moi. Faut que tu y ailles. Oh là 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 là. C'est quoi ces espaces, hein? Oui. En plus, il fait nuit. Ils sont en bas quand même, là. Bah, y'a plus personne. Tu les as eus? Non! Ouf! C'est halt pour changer d'arme. Ah ouais, putain. Tabulation. Ah oui, tabulation, pardon. J'ai la bonne touche, mais trompée de... Tu vas où? Tuer les monstres. D'accord. Du fight! Mais il y a un nid. Okay. Ça va, c'est un petit nid encore. Il te reste des robots? Des capsules de combat? Non, tu me les avais pris. Ah. Allez, grimpe. Oh, j'ai pas oublié que c'était rentré. Et regarde dans le coffre. Oh, magnifique. Ah bah tiens, t'es bien. J'en ai un qui est tout seul de tunnel, or c'est pas normal. Où ça? Dans ma main. Ah, alors ça, non, c'est pas normal. Ah, pourtant. Pourtant, quand je l'ai placé, il y en avait déjà un qui était placé en face. Bah, ça m'est arrivé pareil, donc à mon avis, on a dû se faire un mélange. Alors, où est-ce qu'il manque des lignes? Ici. Ici. Ah non, là c'était un rouge, trop long. Où ça? Ici. Ouais, j'en ai un. Tac, attaque. Et là, deux. Pareil. Là. Longue distance. Et là, tu peux mettre un jaune. Ah. Je vais avoir... Non, j'en ai plus qu'un en rouge. Ah, ça me stresse d'avoir un chiffre impair là sur mes tunnels. Incroyable, elle fait un live le soir, je suis content. Catacombe, salut. Enfin, catacombe. Je rajoute, alors, je rajoute une lettre dans son pseudo, il va... Ça allait pas être content. Salut! J'espère que j'ai pas vu le message trop tard, j'étais concentrée. N'hésite pas à suivre le lien du multistream pour pouvoir voir nos deux POV en même temps. Attends. Hop. Mais limite, il faudrait que j'inverse nos pseudos.
C'est un lien multi-stream fourni par Dai. Au moins, vous avez les deux points de vue. Et puis sinon, bah, ici. Non, ça va, reste encore acceptable le temps de lecture. Ok, ça marche. Acceptable. Bah, c'est-à-dire que pour une soirée, on est je suis très très tranquille sur mon chat. Donc bon, au bout d'un moment, je le laisse vivre sa vie seule, comme un grand. C'est un chat autonome. Ah non. Vas-y, je vais l'oublier celui-là. Mais c'est bon. Attendez, pourquoi je peux pas? Non, c'est bon. Oh là 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 là. T'en fais des bêtises. T'as fait des bêtises? Ouais, en fait, j'ai essayé de placer un tunnel. Sauf que je le plaçais trop loin. Et je comprenais pas. Je dis, le dessin, il est là. Et en fait, il était. Je l'ai placé et j'aurais dû le placer un carré plus tôt. Mais c'était derrière le poteau électrique. Donc, genre, le poteau électrique était. Enfin, me cachait la vue et ma possibilité. On est des enfants qui gardent des enfants. Exactement. Des grands enfants. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Vous faites ce que vous pouvez avec mon cerveau. J'ai fait que bouger aujourd'hui, alors j'ai un bouilli de cerveau. Si t'as des journées comme ça, tu dis c'est le week-end, je vais rien faire. J'ai bougé partout. Raté. Ouais. Je veux faire l'astuce qui c'est compliqué pour mettre ce que... Non. Ah non, faut prendre... Contrôle clic. Ouais. Mais sur... J'ai l'impression que des fois ça... Genre c'est... Voilà. Hop. Les engrenages. Bon, je vais aller me chercher du cola. Histoire de réveiller mes sens. C'est un week-end normal, car au final, c'est le moment que l'on préfère pour faire des choses que l'on aime. Oh bah j'ai pas fait... Si, j'ai fait une chose qui coule, mais j'ai pas fait un loisir. je suis allée faire du shopping. de meubles. Voilà. Ouais, j'ai réempoté une plante. Ça fait 2 mois que je dois le faire. Ça. Par contre, t'as fait du shopping de meubles, c'est-à-dire, faut tout me dire là. C'est-à-dire que je suis allée à But. Voilà. Et j'ai regardé, ce canapé, il est chouette. Cette table, elle est chouette. Voilà, parce que je vais passer dans un nom meublé. Mais tu te souviens que je suis menuisier? Peut-être. Et donc, je peux te concevoir et te fabriquer des meubles? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais là, je me suis dit, je vais aller voir ce qui existe, tu vois. C'était la sortie. J'ai rien acheté. Mais je me suis dit, je vais voir ce qui a à But. Et ça m'a bien fatiguée. C'est pas pire que Ikea, où Ikea, c'est vraiment un labyrinthe. Mais... Vous ne sortirez surtout, jamais de... Ouais. Et en fait, j'avais vu sur Internet, j'avais vu un bureau. Et je me suis dit, cool pour les... Cool pour un bureau de stream, tu vois. Et il était même pas exposé. Alors j'avais les morts. Je me suis... Embrasse Bibi de notre part. C'est qui Bibi? Je viens embrasser Bibi, je sais pas qui c'est. Il a un surnom Bibi ou... Bah Bibi c'est moi normalement. C'est toi? Non mais Bibi c'est
C'est pour Bibi, c'est genre c'est pour moi quoi. Ah ouais. Ah non, c'est pas pour toi. Pour ma toche. Mais il faut pas être co. Je passerai le bonjour. Concentration. Ah, du coup, je suis même pas allée chercher ma boisson, quoi. Marqué. Tac, 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 tac. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Nickel. Il y a de la pierre sur notre parquet. Ça s'enflamme dans le chat. Ah. On me donne une première référence que j'avais compris, catacombe, pas besoin de me parler d'alcool. On reconnaît tout de suite, tu sais, tu reconnais tout de suite. Soit tu décris une personne par un attrait physique, des fois, et tu dis ok, c'est telle personne. Soit des fois tu dis, mais si, tu sais, celui qui boit, ah oui. Celui qui a bien bu la dernière soirée, ah oui. À cette personne là. Alors, il va me falloir ton aide. Oui. Pour cette partie là. Ok. Voyons voir. J'ai ça. Pourquoi. Ah oui, d'accord, d'accord. Je vais voir si je trouve notre bonheur. Mais non. Ça c'est chiant, il n'y a pas. Je peux pas larguer du fer sur le tapis. Si, mais c'est ultra long. Ah. J'ai enlevé. Comment je fais là? Le temps que je cherche dans ma malle tapis, tu l'avais remis. Ah. Oui, oui, il faut mieux. Alors, ouais, c'est vrai que surtout, surtout ici sur Twitch, quand on peut être un peu discret et, sans dévoiler le nom de la personne, c'est très bien. Enfin, ici sur internet en général. Alors. Pendant que je me balade.
pour le furet pour moi, mesdames. Le magasin. Ou l'électricité? Non. Ou c'est la nuit? La nuit. Il fait juste nuit. Pas de panique. Il fait juste nuit. Oh, putain, les engrenages, quoi. Allez! Avec hyper patience. Très bien. T'as dit quoi? Itaki? Oui. T'as dit quoi? Tu m'entends? Oui. Oui, je dis, bah tu mines direct les engrenages. Ce serait tellement bien. C'est pas une ressource première, mais imagine. Le recycleur a dû faire son taf, donc je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Toutes les deux heures. Ah. Hop. Hop, une micro-pause. Micro-pause. Ah bah je vais aller chercher du cola. Je reviens. Ça te laisse le temps.